Il y a l'intro. Il y a l'intro quand même. On la refait. Allez. 2, 3. J'ai eu l'occasion de travailler depuis janvier avec 4 classes de Clessouilly, 3 classes de l'école Maupertuis et une classe de l'école de Boisfleury. Chaque classe a choisi un thème et on est parti d'une feuille blanche pour construire leur chanson. Et pour ça, il y a un petit peu une méthode, mais c'est eux qui la dictent, puisque c'est eux qui donnent les ingrédients d'une chanson dès la première séance. Ils savent nous dire qu'une chanson, c'est une histoire avec des paroles, qu'il faut des rimes, qu'il y a du rythme dans les phrases, qu'il y a des mélodies, etc. Et donc voilà, ils ont choisi leur thème, et sur 5 séances d'écriture, ils ont écrit la chanson qui va suivre, que j'ai eu le plaisir de mettre en musique. Donc il y a une classe qui va nous emmener en voyage en Afrique, avec Bienvenue en Afrique. La classe d'après nous raconte l'histoire rigolote d'un monsieur qui n'a jamais de chance, qui s'appelle Monsieur Malchance. Il y a la classe de Boisfleury, une petite fibre se dit que la nature a bien besoin d'être sauvée, donc ils font une chanson qui s'appelle Sauver la planète, avec un texte très fort. Voilà. Et la dernière classe, les CM2 de Maupertuis, nous amène faire un tour du monde. Donc ça nous permet de voyager, tout ça. Voilà. Et est-ce que les enfants se sont un peu inspirés de ce que fait le groupe Zut? Ils avaient regardé des vidéos, alors, ils avaient écouté des chansons un peu. Pour nous accueillir à la première séance où on s'est présenté, ils avaient regardé quelques vidéos, voilà. Puisqu'on en a au cours des 20 années d'existence du groupe, mais passer ce temps de rencontre où on a chanté quelques chansons, on tenait surtout à leur tendre à eux la parole pour qu'ils écrivent leurs propres chansons. D'accord. Et donc c'est ce qui va se faire, et aujourd'hui c'est l'aboutissement, parce que pour eux c'est la première fois, ils vont jouer accompagnés par un groupe professionnel de 5 musiciens, et pour nous c'est un grand honneur d'avoir une première partie de cette qualité. Et après donc on aura en deuxième partie un récital. Et après il y a le concert Zut 20 sur 20 que nous avons créé à l'occasion des 20 ans de Zut. Voilà, suite à la sortie de notre album qui célèbre nos 20 ans. Et voilà, c'est un petit peu la récompense pour eux d'assister au concert de Zut. Voilà, je vous cacherai pas que moi ce qui m'importe surtout c'est la première partie, parce que la deuxième je l'ai déjà vue, je sais qu'elle est super. Ah, on n'en doute pas un seul instant. Et donc tous les lecteurs de Vague Journal vont retrouver leur âme d'enfant. Avec grand plaisir. Et puis alors on a un site si vous voulez vous intéresser aux actualités de Zut. Bien sûr. Qui s'appelle Zut Officiel. Donc vous tapez Zut aussi, Officiel, vous tombez dessus. Zut le groupe, pardon, excusez-moi. Zut le groupe. Et puis voilà, puis si vous baladez Zut Officiel, c'est le sur YouTube. Là, il y a plein de vidéos, y compris d'ateliers, y compris de rencontres avec les enfants, mais aussi des clips, des extraits de concerts, etc. Eh bien, d'accord. Merci beaucoup. En tout cas, on a hâte d'entendre les enfants et de vous entendre quand même aussi après. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, au plaisir. Thank you.
c'est recommencer, ils vont faire silence et vous allez pouvoir recommencer tranquille. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes la classe de CM1 de Bois-Fleury. Nous allons vous chanter « Il faut sauver la planète ». Il y a du boulot. De CM2 de l'école Maupertuis. Écoutez, zut, et je vous redis zut, monsieur le journaliste. Non, c'est vrai que c'est un plaisir. Il y a pas très longtemps, on parlait de la culture avec les souris, n'est-ce pas, et de l'occupation de l'espace Malraux. Ben, vous voyez que dès qu'on touche aux enfants, aux familles, eh bien, ça répond présent. On est dans une situation encore un peu ambiguë en ce moment sur le plan sanitaire, mais en tout cas, c'était un beau projet mené par les services culturels de la ville et puis par les écoles. En fait, d'associer des musiciens professionnels à des enfants, ben, ça donne le concert auquel vous avez assisté. Et donc c'est une joie pour nous, voilà, c'est un bon moment de dynamisme et de plaisir. C'est un moment d'enthousiasme partagé, absolument, absolument. Merci à vous. Merci. Oui, ah oui, zut alors. Sera là, mais je veux pas s'attendre juste.